qui nous suivent de partout. Nous saluons particulièrement nos amis qui nous suivent à travers Tolo Beladji, des Papi Genève, qui nous suivent à travers l'œil de l'église du pasteur Salomo, www, le collège à Congo, les Placides de Jésus, ainsi que Diaspora du bout de son rivage, sans oublier John Image. Ah oui, nous sommes ici, nous allons tous connaître le pourquoi de la présence des Congolais dans la rencontre entre monde, presque ma nationalité belé, et il y a Awana, Rwandais, Naba Zimbabwe, Batoubaye et belé. Mais ce qui nous fait mal, c'est quoi? Ce qui nous fait mal, c'est Zali Bande Konangaï, ce qui est au lobby qui est ferré, en bête à concert, n'est qu'on a pas quoi, on sait quoi, on va couper, on sait quoi. Ba miste ko bima ba tuba koye bele. Ba kamwa fere, ba kamwa jibe. On konser ba koye bele. Ya solo. Pour la kolak seki ba ba kombatan. Mais lelo ouyo. Lelo ouyo za makambu ya politique. Vraiment ya solo ke politique. Paul Kagame ouya bomisa. Pi le 8 millions de Congolais awa. Mais ma Congolais bele ba pisi mou Kongo. Ni ko pasi. Ba pisi mou Kongo. Ba Kongo bele ba pisi. Ba vwe la banandaku. Ba zi la kake za la irriti. Se ki za la rancune personnelle tout mingenil. Ba zi la irriti. Za la fere. Za ba kamusu se za mou. Pa vraiment l'importance mingi pour la libération Kongo. Ba koye bele. Ma conseil ma vidéo est belle, mais mon bon ya ba congolais yo pour que grâce ça sur le terrain ba congolais ba yina ba moto ba kimi na bango ba vani na bango. Deuxième chose, on apprendra que ambassadeur ya Rwanda abimisi ba million ya mbongo pour que corrompre ensemble na ambassadeur ya Congo ko corrompre ba tout ba ya tena événement au ko manifester ba congolais belle ba za corrompre ba mbongo. Quand on a ces messages presse, on a ces messages, sans besoin de la ces messages. Boya, bah tu me soupes, bah je fais là contre propagande. Boya te, boya te, boya te, boya te. Bah comment ça va, bah Rwanda, bah comment ça va, bah Rwanda, bah comment ça va, bah Rwanda. Bah comment on a bien moko presse, ni bah congolais, ni bah Rwanda, bah sali mouvement moko. Ah on va dans son été, nous sommes allés pour nous protester. Nous sommes nombreux, vous êtes pas une ambassadeur rwandais, une ambassadeur congolais pour bah étouffer. Manifestation oyo, action oyo, protestation oyo, et sima. Mais les copains sont légers. Na yambina nous, moko, na bakambi ya combat, na moko Afrique du Sud. Prince, bonjour. Ah, bonjour, sans rival, mon lobelia peuple. Ya solo basso landayo, prince, moi li loba pour na rencontre lelo. Non, rencontre lelo za succès. Bino bato botikala na ndako bata ministère de découragement oyo lobaga. Ministère de découragement yo lobaga. Bise to lobato toko bunde la peuple tina suka to na petite sur al-Qaïda baliawa toko bunde la peuple. Ce qui fait très mal sans rival. Isa komona songi songi ya peuple congolais. Peuple congolais o lukaka nini? Peuple congolais bo lukaka nini? Bo tambusi ba sango ya lokuta a onde to solo ba sikoyo. Ce qui sans rival tambusi ba micro ne bo mona to za ba sud-africain. Tous en a battu ya Kashmir, Bali, à Doba Indien, tous en a battu nationalité, ni au Sénégal, ni au Burkina Faso, à Rwanda, Bali, ao. Si quoi yo yo fait une ndako musa na ko salaka ko oza pasteur ministère ya découragement et ma peuple congolais te te bi bino na banduki mbongo ba pesi bino na ambassade ya Rwanda te bi yango to ko songa réunion munene za dimanche o to ko bimisa to ko panza poke ne batalinga la balobaka mais ça rival les za succès munene ko mona yo na ko mona bandeko musu to na so mingité. Tous amis qui mais tu représentes Congo, tu représentes Mboka, la bise la carte à Mboka, monsieur Sousa Rival. Pendant que tu as belé, on a manifesté contre Paul Kagame, alors Bandeko, vraiment, Awa, Eza Yakoyinda, Nanenge AGT, Awa, Eza Yakoyinda, Nanenge AGT, Bandeko, Nanaï, vous le remarquez vous-même, ah oui, ça chauffe ici, vraiment, ça chauffe ici, oh, Godefroy, juste un mot. Allez, toi, on Kanga Kagame. Non, moi, on a eu un bon télé sur le Congo, toujours Kanga et Lissus. Moi, on a eu comme on est nani. Oui, bien, Hippolyte, Kalambe. Ah oui, vraiment, ça chauffe ici. Asenayo falo,
Ouais, c'est merci papa pour la micro. Ah, tu as la frise, this is South Africa. Tu es fighting pour la moka, kada you must go, leave this country Congo. We are tired, you are criminal, you kill many people. You don't want to, you must go. You must go, Kabila, you must go. Go out. And that's mostly because of it, you need respect, the human rights. Thank you. Thank you very much. Kagame, Mas go, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lits. Il y a ce loba élu Bangoyo. Bon, il n'a pas dit la vérité. On en profite aussi pour na, juste Djobou vraiment va réagir trop tôt dans le discours de Hippolyte Kanembe. Alors, Djobou, dans le discours au Kanembe, il a marché sur nos nez. Non, ma réaction oyo to zela ki kozela yo pe no molobe la peuple congolais to zela ko ebisa poto ebisa yo discours à Kanembe problème na ngai zaboye Kabila n'a rien dit et il ne dira rien a kolobaka eloko moto na peuple congolais mais une chose est vraie qu'il a peur. Il a peur de 80 millions de congolais bande ko Mobutu pouvoir ne sila ki la 89 batu oba yebi ke Mobutu pouvoir na e sila ka na 89 lors de dernière visite na les États-Unis Kabila c'est la pouvoir de la Congo. Na qui très content sans rival ya koyoka ba Jean-Pierre Bemba ba Nirobiso ngabe na ba imoto na ba ndiko nyoso nzo parler sur l'unité de l'opposition. Moi muto ba ndiko sala. Mutu ya ba congolais ba ndiko sala. Et là tozo au sein na ba tout trahison tisu ka wapi. Nirobiso Jean-Pierre Bemba le bagage mot très important le bique na celle bise na kacho ba kambo o na yeko na kacho. Je crois que cette fois-ci a kubundela réellement peuple nenga yo sans rival la biso ba auto bundela peuple. Yepe Bemba kubundi la peuple mbaloyo makasi poto bunda to binga na munguna na biso solo bota la bino moko communauté oyo eye na bana na bango bana na bango ba simbi pe ba pancarte anga e tozo pe bana na biso ba congolais ba ya ko manifester ya solo za passé eza passé na ba président oyo baza ko nyoko la population. Il a passé ma prison parce qu'on n'y a la population. Kagame, Masgo, Kagame, Masgo, Kagame, Masgo. Il donne la Kagame. Kagame, c'est qui là? Kagame, c'est big qui là? Kagame kill many people in our country and go out of the country to kill people in other country. Like DRC Congo, South Africa, Mozambique, Europe, wherever is killing people. We don't like him because he's a big killer. Kagame, you must go. Kagame, you must go. You are poor, you must go. Al-Qaïda paye yo, bonjour. Bonjour, c'est Liloba. Moi, Liloba, Moko Ezali, na opesa na bana kini. En tout cas, Mboka Congo, Ezali Mboka Bakoko Batike Labiso, bana ISC, Mouchetu, Inikin, Académie, Campus, Nabosa Nibinote, Mboka Congo, Ezali Mboka Bakoko Batike Labiso. Jamais Rwandais. Individu, à quoi vous dirigez, Mboka Nabiso Congo, Kabila c'était Rwandais,
pardon, live for country, for Congolese, for not for you. Killing people, guys, for Congolese, for nothing. My mother. Comment les 12, les 13, les 14, Congolais, nous sommes bien amis Congolais. Tous en balabala. Tobi manabana na biso mike na ba koko na biso bisusu na balabala dress na biso komika balabala timu koloka bila okende soka kete tutika la libela na balabala non. Alors bande ko boyina kabiso bino wa kolia na balabala boyina kabiso nyusu sengeli na balabala na Congo s'il vous plaît opesi na limbote bon opesi famine surtout à Congolais au bazin au Congo en tout cas tous à together is one bolingo oh gui bolingo ba Congolais nyo surtout bo telema Banakin, tous à pona bino, tous à tege, bisous à l'Ibanda, tous à la société pona bino, tous à pona bino, tous à ya, oh boka bakaïda, bazo à pona Congo, tous à bunda toujours pona Congo, na pesi, famille nabika ego tanzamaza, moko ok fa pona Congo, famille ego, kwele, mbote à trop. Oui, nous sommes ici, c'est pour dire non au troisième mandat de Kabila, que nous disons non à la machine de vote, pas de voler, de la tricherie. Alors nous sommes unis, le peuple africain, pour dire non à Kabila et à Kagame qui est le grand terroriste, un criminel. Ça, c'est un grand forum économique où il y a tous les dictateurs, le président russe, le président de la Chine, ce sont eux qui soutiennent le régime de Kabila. Nous sommes ici pour dire non à ces criminels. Merci beaucoup. À nous la victoire. Tous les dictateurs nous font mal au bras, surtout Kabila, à respecter tes limites pour le monde de la carte de société. Tout le monde a eu ce soir, a dirigé ce qu'on a été. La Kagame, surtout à nous, les deux cousins, les deux amis, il faut mal au bras. Parce que bisous l'article 10, on va dans l'article 5.1. Donc c'est ça la même chose. C'est presque la même chose. Alors toi, battez pourquoi ils s'éternisent. Ils s'éternisent ce pouvoir, on n'avait pas à comprendre. Et ensuite, au moment où vous parlez que l'envalé, il y a des opposants qui sont arrêtés, il ne peut plus rentrer au pays à cause d'eux. Donc ils veulent nous diviser pour qu'il n'y ait rien de proprement. Message dans un endroit, message juste sur l'Europe, c'est que nous allons les tenir jusqu'au bout. Tonti Kabango. Oui, message du besoin en haut. Ah, bon, message des alliés que tu y as pour l'accès à la monde, tu sais que le dictateur n'y a sur le monde. Il faut voir le roi. Enough is enough. Si tu en Afrique, Kagame, Kabila, on doit faire souffrir tout le monde. Donc, tu dois faire un dirigeant BRICS. Tu as mis le faut voir le roi d'ici décembre. Message dans l'angoisse. Merci le tout le monde qui a représenté ma sportif Nyoso Babanga Kaye Makasi parce que il est vraiment le sportif le plus fort en Afrique du Sud Awa il est Aza Makasi vraiment Babanga Kaye champion turbo Nanga bandeko oboyebi il y a eu un temps où on décore Babengi zombie amika ko se mona kele le mutu akimisa ye vraiment yeyo akimisa ye mbangu musapi moko zombela la na se nikofi babeta ka likofi ba ye musapi kaka pamba mutu la na se vraiment champion
Tirbonganga, un homme très fort, boxeur connu depuis le Congo, les lois en Akatia Masolo ya combat, et Salibiso bien makasi. Vraiment, bonjour champion. Bonjour. Il y a seulement l'Iloba pour Namboka Congo. L'Iloba Naza, tu souffres trop dans le Congo, tu tiens à ma famille. Donc, on a connu ici, toute la population est à Djobou. Malgré ma collaboration, à 1000 reines, j'ai un foot à Bango. Je suis un combat dans la cause, les apégistes. Donc, je suis un sportif, je suis un sportif, je suis un combat. Et maintenant, on va combattre solo, je suis un Bango. Je suis un grand frère en Belgique. Je suis un ami, je suis un combat pour trop de sorciers. C'était champion turbo Nganga, il y a seulement des coups. Oh, avant d'aller à Pretoria, Ndaku na ezali presque avenu moko na Ndaku ya ambassadeur ya Congo, ambassadeur Mpoko. Il a presque avenu moko dans trois maisons après hier. Makambo ebele ba top secret et belé yaye bakayango. Ayé bakayango parce que ça mouto sali na service secret depuis le Congo, à sala ka pe na aner, aza mouto yé bien belé. Alors après ça monsieur information ya kati, nini roi le kaki pona action et l'élo, et toi soit tes simba, soit tes simba. Encore une fois, bonjour, Godefoy. Bonjour, Sarival. Toujours au cas. Non, question à tourner à Koloba, et Simbi et Simbi, mais il y a communiqué Simbi. Alors, nous sommes un combattant, soi-disant combattant, ou à la terre veste, à un bureau, à un zambongo quelque part, à un batouké bokinete. Alors, si vous nous avons un bon avant marche, nous sommes un combattant. Alors, si on est awa, c'est parce que Renault y a brique et zalaka. Brique et la kissi, que les états hauts sont contre le FMI, Fonds monétaire international. Les balibales ont été éloquents. Alors, ben ici, quelques présents sont awa. Parmi les bateaux, ils sont awa. On constate que non, oh yo, ben y kagame. Génocide international. Oh y'a bon, ma plus que 20 millions. Des morts na kati d'Afrique. A Kimisi presque 20 millions y'a ba Congolais Libanda. Et à Kagame, ba yubisu Kazaliawa. N'a quelques représentants, y'a pouvoir réseau qui éliminé Batuna Congo, pas appelé na kati awa. Y'a un autre yaki. Message circulé qui que chaque état, Congolais, Rwandais, Burundais, tout le monde, Indien, Baya, on se retrouve à 100 niveaux. T'as là, les 100 caméras, au monde de Bilongo, c'est un Sud-Africain Bazaliawa. Au monde que Bato Bazaliawa, Bazabikou, c'est différent. Mais chez nous, Bato Bazaliawa, on est pas plus du son monde. Non, mais toi, il y a mon solo, tu vas 300 rennes, 500 rennes. Azo Monaté, Azo Samaro, Azo Sam Salaté. Azo Monaté, aux hommes politiciens, aux hommes, aux hommes présidents lobby. Au monde d'Afrique du Sud, avant ça, aux hommes présents, tu vas 500 rennes, 1000 rennes. Mais pas un coup de tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes toujours à la conscience, toujours au bon de la lutte, donner le champion, toujours au bon de la mboka, toujours à l'avenir à part notre bête de mboko. Bon, on a bien toujours à la mboka, mais toujours au bon espoir à la banne. Alors, ton Seigneur qui est non prochainement, sorti, on est dans le mbongo, on est dans le mbongo, on est mutuana aza korabo. C'est un vrai korabo, nous sommes dans le mbongo. Bon, on est dans le mbongo, on est dans le mbongo. Bon, et pour la nini l'ambassade à Rwanda et Misaki Mbongo, et bien il y a quelques dirigeants parmi Bisso, nous sommes représentants des combattants, à Benga Bango Kouzou, Naïbi Bango, mais la bonne temps de Bango Awa. Donc, vous avez la caméra sans rival, sur le sacré dans le temps de Kongo Nayo. Et puis, vous avez répliqué pas dans le temps de Kongo Nayo. Il y a un président de combattants à Pretoria. Non, il y a Pretoria. Il y a un Baki, ce Baki. Il y a un temps de combattants à Kongo Nayo. Il y a un lobby qui a boué. Tous en bas, oh yo, biso toyebi, bazumbongo, ba décourager, ba congolais, belé ba na marché. Ba le marché ba rwandais, ba bosa na ba rwandais, biso sa na ba rwandais, te biso toye ko attaquer Kagame. Père génocide, géniteur, y'a pouvoir tous en le na Congo. Dès lors que tu es là, vous entendez bien. Alors, bozi ba mbongo, ba décourager ba tout,
Bon, nous avons dit, avant marche, yo, vous avez un Pretoria. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de caméra, je vais photo. Ça devant la caméra, Pretoria, avec sa photo, devant la caméra. Voilà. Merci, c'était Godefroy Yassolo vraiment. Aza Moutoua Kotalana Samaï, Pabim Sakaba News, Oizala Kavre. Ndeko Nangaï, derrière la caméra, Nangaï derrière la caméra, elle, zoom, zoom, Yaba, elle, Yassolo. Il lui connaît la caméra, et caméra est respectée à Kaye Makassi. Message, tu es dans le lot, tu es pour présenter un message dans la communauté internationale, mon tout le monde, mon Bayoka, que la réunion est Bristol. Et là, les réunions sont criminels, les assassins. Je ne sais pas si les Kagame. Je ne sais pas si participer à la bonne volonté. Il faut pas démissionner, pas le roi. Parce que la bonne volonté, la nation, pas la tête de la nation. Donc, ces pays, ils ont la bonne volonté. Je ne sais pas si la bonne volonté. Merci. Comrades, we also welcome Pakistan South African Association under the United Front banner. We also acknowledge INUMSA, SAFTU, and Congo. The next speaker, it will be the speaker from Rwanda. Both speakers. It's from Congo. For 5 minutes. We are not going to speak long because United France and all the partners, they've been generous for us. They've included our grievances in the memorandum. So we're not going to speak a lot. We are going to call the freedom fighters from Congo who are here. They are going to sing a song. That song is very easy. The reason we are singing this song is because Kabila has killed so many people in Congo. There are so many atrocities happening in Congo. And nobody wants to acknowledge that there is genocide in Congo. Even the United Nations, they fail us. The Assembly General in New York, they are unable to call the atrocities in Congo genocide. That's why I'm calling the Congolese freedom fighters to come here. To come here because we want to sing a song. And the song is all easy. We want to say between Kabila and the snake. Which one are we going to choose? Nous allons demander aux combattants qui sont ici de venir chanter la chanson entre Kabila et les serpents. Qu'est-ce que nous allons choisir? Parce que Kabila a tué beaucoup de gens. Kabila a tué tellement de gens que même les Nations Unies n'arrivent même pas à reconnaître qu'il y a un génocide au Congo. À New York, ils sont incapables de parler des problèmes du Congo. Des gens meurent tous les jours. Alors, je vais donner la parole à Moïse. Moïse va vous dire quelque chose. Oui, nous sommes venus ici, c'est pour dénoncer le terrorisme qui est au Congo. Nous disons non au troisième mandat de M. Kabila. Nous disons non à la machine à voler, machine à la tricherie. Nous disons non à Kabila, il est au pouvoir depuis longtemps. C'est M. Kagame qui l'a mis. Nous disons non à tous ces gens-là. Alors, nous avons notre candidat qui sera élu bientôt aux élections nationales qui vont prendre le 23 décembre. On peut chanter. March. This march is a protest march. We are here to tell the leaders of. We are here, please keep quiet, comrades. Please keep quiet. We are here to tell the leaders of India, of Brazil, of Russia, of China, of South Africa about how unhappy we are with the way they are ruling their countries, our countries. Yes. Number one, Modi. Modi is the leader of India. Modi is promoting a fascist Hindu nationalism. Modi is killing the dream of Nehru, of Gandhi, for a united Indian nation. Is dividing the Indians between Hindu, between Sikh, between Muslim. As a result, in India, there's a lot of suffering, communal killings. Modi of India is also illegally
occupying the country Kashmir. Gentlemen, as we gather here, I think this is a coalition of Rwandese and all the other willing, as we heard from the comrade say. But I need to tell you about Rwanda. As you hear, President Kagame is the worst criminal in office today. He has come here assassinated Patrick Karegeya in the hotel in front of Convention Center, where Kagame is allowed to come and say and become a clean leader. This is a criminal who has been in office for the last 25 years. This is a president who has killed three presidents. This is a criminal who has invaded Congo several times. The mapping report has it that Kagame has killed 6 billion in Congo. Kagame is the sponsor of terrorists in the countries. Where we are here, he sends assassins. As we hear in this country, we want to send a message that South Africa is a democratic country which should not allow dictators to come here and parade as democrats. Those are real criminals. We come here to state categorically clear that we should stand together and fight all criminals, all those people who do not want to leave power, who keep killing their people. Kagame has extended the constitution to rule Rwanda forever. We always talk about Palestine, we talk about India and Kashmir, but let's talk about Rwanda, where Africans have no voice, where Kagame has destabilized as we speak today. Burundi is in tatters because of Rwanda. Congo is in tatters because of Rwanda. How can us as Africans look and welcome such a criminal in office today? So I thank all of you that as we are here, we stand together to fight as we fought colonialism, as we fought criminalism, as we fight colonialism. Let's fight dictatorship in all our countries. Let's not say because South Africa is peaceful that Rwanda should keep under such kind of terrible oppression. Because the refugees you see here, the most of them are contributed by the destabilization policy of Rwanda. So we cannot accept to have such refugees indefinitely. That we refuse, we put it on record that Kagame must free political prisoners. Today as we speak, all the ladies that tried to stand with him in those fucked elections are in prison. We are talking about Ingabire Umuhoza, we are talking about Diane Rwigara, we are talking all those political prisoners. They must be free. I thank you all of you. I thank you once again. Thank you. Comrade, thank you very much for coming this beautiful day when the sun is shining. Your sacrifice is highly appreciated. I know it is a working day. You are gathered here to make your mark. You are here to raise your voice. You are here. You sacrifice your time today to say no to the BRICS. Why? We cannot be at the receiving end. We cannot be just economic sandbag. We cannot be the dumping ground for a cheap product from China. We cannot be a receiving bag only for the Guptas. We cannot be receiving the chickens and our factories get closed. And our sister and brother losing the job. We cannot be here. Bonjour, Ogi. Bonjour, Saint-Rival. Alors, nous voudrions bien connaître le pourquoi de cette rencontre. Bon, cette rencontre, c'est un forum économique qui en principe regroupe quatre différents pays du monde. Vous avez le Brésil, vous avez la Russie, il y a l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Disons ces cinq pays. Et en principe, ces pays se retrouvent pour discuter des problèmes économiques. Mais si nous nous trouvons aujourd'hui ici, c'est parce que les présidents de ces différents pays, en dehors du président de l'Afrique du Sud, le pays qui nous accueille aujourd'hui, vous avez le président, par exemple, de la Russie, vous avez le président de la Chine. Ces deux pays sont en train de soutenir le pouvoir en place, la dictature de M. Kabila. C'est pourquoi nous, Congolais, nous sommes arrivés ici pour faire passer notre message
à tous ceux responsables qui se sont réunis en ce lieu pour discuter de ces problèmes, pour que cette histoire soit mise aussi dans leur agenda, pour qu'ils mettent fin à intervenir aux problèmes congolais, parce que nous, Congolais, nous avons besoin d'un pays libre et nous refusons le troisième mandat pour M. Kabila. Et d'un côté aussi, nous voulions protester parce qu'il y a la présence du président Kagame, qui est le président à l'exercice de l'Union africaine, qui a été invité à ce forum. Ce monsieur, c'est un sanguinaire. Il constitue une gangrène au niveau de la région des Grands Lacs. C'est lui qui est l'élu de M. Kabila aujourd'hui. C'est à cause de lui que nous avons cette situation. Donc, nous voulons aussi lancer un message qu'en principe, l'Afrique du Sud, qui se dit un pays démocratique, ne peut pas inviter un monsieur pareil, ne peut pas inviter un criminel, ne peut pas inviter un sanguinaire à un tel forum pour parler de pays tant de l'Afrique et du monde entier. Vraiment, merci. Maintenant, si vous avez un dernier message à adresser à tous ceux qui vous suivent dans tous les quatre coins du monde, parce que j'ai vu une poignée de Congolais, mais pas tous. Les Congolais qui sont venus ici ne représentent pas vraiment la majorité de la diaspora congolaise qui habite ici en Afrique du Sud. Pourquoi l'absence des autres Congolais? Je présente ce message, je vais le lancer spécifiquement à mes compatriotes, mais avec une très grande déception. Et par le fait de constater que les Congolais ne sont pas nombreux présents ici, alors nous avons toujours été derrière, beaucoup de pays ont répondu, vous voyez même les messages qui sont lancés. Il y a certains pays qui parlent au nom des Congolais, ils savent bien que le Congo est en train de traverser une situation difficile. Et pourtant nous devrions tous nous retrouver ici pour que nous puissions parler de notre pays. Ce que je demande aux Congolais, qu'en tout cas tout le monde prenne conscience, que le pays, nous devons nous battre, c'est pour notre intérêt, c'est pour la génération future. Donc nous avons intérêt à pouvoir nous impliquer dans cette lutte. Quand il y a un communiqué qui passe, venez, et que nous devons faire entendre notre voix. Il y a de ceux-là qui mettent l'argent avant, et il y a même de ceux-là qui ont été corrompus, parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui ont perçu de l'argent pour qu'ils ne viennent pas ici parler de Congolais. Voilà, c'est vraiment une déception, mais je demande, c'est pas une fois, mais pour ceux qui sont venus, je leur dis merci, je leur encourage, en tout cas, nous devons continuer avec cette allure. Je crois qu'ensemble, nous ferons quelque chose. Ensemble, nous ferons quelque chose. Which is who has killed, his government has killed more than 70,000 people. Indian army is using the rape as a weapon of a war. The 21,000 people have been shot dead just in the last 5 years. So we are here to ask for the solidarity. We are asked here to raise the voice. We are saying this is the land of Nelson Mandela, Oliver Tambo, Saul Plaatje, Ahmed Kathrada, and this is the land of a human rights champions. We are not accepting the unholy soul of Narendra Modi onto this place. We are saying he must be arrested. South African Kashmiri Action Group, with the cooperation of National Prosecuting Authority and of course with the permission of South African government, we have opened a case of the war crime in the first time in the history. Do you speak French? No, I speak English. Okay, the people they are watching you. Yeah. The people they are watching you, can you say who are you? I'm Frank Ntwali, a leader in Rwanda National Congress. And from Rwanda. Okay. Rwanda National Congress is an organization, a political party outside, fighting for freedom and against the dictatorship of Kagame, who has terrorized the Great Lakes region. Okay, but if Kagame watch the TV now, why can tell to Kagame if he is in front of you? What you can say to him? Actually, what I would tell Kagame is number one is to step down. Number two, so that the people in the region can experience the freedom like we are having in this country. Because if it does not, people are going to use every available means to take him out of power. And that would bring us into violence again, which we do not want. Because Rwanda doesn't have any freedom of speech, any freedoms of expression. He has imprisoned all his political opponents. He has terrorized the neighboring countries, Congo, Burundi. You have seen the chaos in Uganda today caused by Kagame. So we have no doubt in our mind that the problem of the Great Lakes region, the source of problems, is Kagame. So he has oppressed his own people. He has caused the chaos in the region. He has no reason to be in power. As we always say, he's the worst, the greatest criminal in office today. Ok,
Okay, thank you. Do you have something to talk about Kabila? Because he's a... Kabila is not a president. Kabila is put there by Kagame. He's there at the mercy of Kagame. And Kagame has threatened to kill him. If he doesn't do as he pleases, he will kill him as he killed his father. We've put it on record. We know who killed Kabila Senior. It's Kagame. He put his son. He must do the bidding of Kagame because Kagame today has the forces in Congo. Is Kabila saying anything? I'm sure you remember that the Minister of Defense today was the Army Command of Congo. So that's, you see what we are telling you about Kagame. This is why we are saying that the people of Congo and the people of Rwanda must understand that the problem here is the dictators, the leaders who are causing the problems in the people. But otherwise, if the people would unite and take out those dictators, the region would be different now. Thank you. Okay, thanks so much. My last question is the chance. Is the chance for me to see you today? You can tell us who killed Patrick. Patrick, I don't know his name. Is it Patrick Karegeya? Yeah. It is Kagame. It is on record. It is Kagame who killed him. It is Kagame who shot General Nyamwasa here. The courts said it. It's Kagame who sent his assassins. I escaped several attempts myself as I speak to you. So we know the highest criminal in the office who goes around assassinating his opponents. It's not me only saying it. It is on record. It has been said by the courts. This government, the government of UK has warned him not to assassinate people. So it's no secret. People, they know. Thank you so much. Thank you. Thanks. Okay. Michel Batuzolandayo, c'est vraiment Michel. Juste un message na Bayo Batuzolandayo. Bon, merci na Batutu Baya wala meeting oyo. Bao batikali boy bake bazaba kolabo. Bato bazumbongo ya. Ayo ki bien te olobi? Bazaba kolabo. Ba combatto ba ete bazaba kolabo bazumbongo. Ya ambassadeur ya Rwanda na ambassadeur ya Congo, batindeli bango ba mbongo na ndenga molito bi bango nyoso tu. Combattants à la canabiote, combattants à la cana combat. Yeah. Alors, na koyebi sa peuple congolais batikali. Boye ba ke congolais motazo ma Congo na yemoko. Et puis kolanda motote. Soko oza vre, ozo bunde ya pesa, ozo bunde ya pesa Congo. Ba yebisi en telema, telema. De notre yawa, ba Sud-Africain, ba India, ba nini, tout ba ekolo nyoso ba Brazzaville, ba zale awa, ba Gabon, ba go, tout ba zale awa. Ba pasi moto mbongo te. Eza de amour ya Congo. Alors, toyebisi ba congolais que botika ko sala mate congolais de yemoko moto asa ko buma Congo et puis de gabiso to yawa lelo toye ko soutenir ba rwandais te toyebiso moko to zagina besoin sika ko lobela makambo ya Congo et sika ba to belé ba télévision belé internationale bazali ezali de place moto na moto asali ko bimisa makambo ya zana ngo yango to yaki po to bundisa Kagame ndaza li ennemi commun ya Congo na Rwanda. Vraiment merci tout koyamba le souvenir posé Michel président yaba combattant. Oui. Ouais, ça il y a on va vous déjà depuis de l'oba déjà trop bazoura raté on te bagi ya tout on est câble photo soutien la moto balle à la tête. Les moi mis le bagi. Vraiment merci beaucoup, vraiment merci. Bon, ça il faut aller là et le roi le baran dans le bureau moi sous comme poussé dans ce gars même pas policier bien sur au bazou combi Kabila la troisième mandat. Bye bye. Message nini bautique là-bas la bango histoire nini bautique là-bas la bango la Congo à lobi lobi donc bas à la un message pas résolu baba congolais. Ok, c'est bon. Ingeta ingeta merci pour la micro toujours celle qui a d'ailleurs ça vous tenir toujours combat na jobu au boyebi et la ramboka Congo toujours des ça pour la combattre toujours pour la fin mandat Kabila à ce ramboka na kende tout ça pour ça sur eux tous c'est pas là c'est lui aide de Jébissou vraiment merci. Toujours en avant, jusqu'il a ce moment, ces joueurs doivent partir. Son mentor Kagame et Kanambe, alias Kabila, le Yoka doit partir. 8 millions de morts et le monde entier est silencieux. Alors que 800 000 seulement morts au Rwanda, on en fait tout un marketing. Ils doivent partir. Ils doivent partir. On n'a pas besoin de ces gens ici. Doit partir. Comrades, I'm going to read the memorandum. Here are the ministers here. I mean, you're going to buy some of the September Uchi, Lorenzo Funda, Mazo Kata, Mayo Bega, HLD, the Prince. Minister, thank you for coming.
This memorandum is to the BRICS heads of state at the summit today here at the Sandton Convention Center, Johannesburg. Who are we? We are the BRICS coalition consisting of labor, community, youth, student, solidarity, and environmental organizations. We want to raise our voices against and get the attention of the heads of state of Brazil, Russia, India, China, and South Africa. We are also addressing other heads of state who are attending as guests of BRICS. We speak for our specific constituencies who have mandated us to do so, but we believe we speak